Salut tout le monde, c'est Silent, nous retrouvons sur Binding of Isaac Afterbirth et ben voilà, on réfléchit pas, on part sur le petit Keeper. C'est pas que je l'aime pas ce perso, c'est que j'ai l'impression d'avoir la poisse avec et ça me dérange, vraiment c'est... Genre, trop pas de chance quoi. Bon après, comme je l'ai dit, c'est pas le perso le plus évident à play, hein, ça... Loin de là, hein. C'est pas du tout facile. Hein. Hot bombs. Hey, il est tout mignon comme ça. Ah. Genre pas trop en retard la voix, hein, ça va. Tout va bien. Genre 10 ans plus tard. Two of clubs. Mais oui, mais oui. C'est Spider, c'est en... Jack the Lost c'est le cancer, mais maintenant on peut prendre des... Vous pouvez prendre des quoi avec The Lost? Qu'est-ce que vous en avez à foutre là? Ok, ok. J'ai gentiment envie de pleurer en la force. Gentiment envie de pleurer. Ah bah ça... J'ai envie d'encore plus pleurer là. Ça vous dérange pas si je pleure pendant la vidéo ou... J'ai déjà envie de reset à cause de ça, hein. Putain, c'est de la belle merde. Non mais oui, écoutez, on va reset, on va essayer de se mettre bien quand même au premier item, hein. Enfin bien, on va essayer de choper quelque chose de correct, pas bien casser la run, non, le but c'est pas de casser la run, c'est juste de choper quelque chose quoi. Pas avoir un item qui sert à rien, genre comme là, genre salut, tu pourras pas m'avoir. Ah, comment que je suis drôle. Héros qui sort de là pour choper juste. Tenter de la faire péter. Voilà, lui il va bien, lui. Oh, j'ai pas réussi à la pousser plus. Ok, good luck. Moins poison. Ça, par exemple, c'est déjà pas mal. Ça aide un peu. C'est pas fou, mais c'est bien. Voilà, hop. On clean toutes les salles à la con. Les meufs qui nous font chier, qui nous collent, qui nous pourchassent. Voilà, voilà, à plus sous le bus. Voilà, c'est exactement ça qu'on veut. Fuel Elf, hop. Full health. Ouais, il faudrait qu'on commence à le prononcer correctement, peut-être après on va me dire. Ouais, mais Silent, l'anglais quand même, tu pourrais faire un effort, t'as vu, wesh ma gueule. C'est le boss le plus adorable du monde, je l'adore ce boss. Allez, crève. Merci les bombes. Hein. Merci les bombes. Hein. Range up. Bon, au moins ça augmente une de nos stats de manière utile. Parfait, parfait, c'est très gentil, au revoir. Ok, en termes de départ là, on est bien. Là, on n'est pas dans l'espace. On est bien. Dépend si Satan veut pas nous arracher notre cul comme la dernière run. En n'apparaissant jamais, hein, genre... Non, je n'existe pas, c'est une blague, je n'existe pas vraiment. Voilà, au revoir, merci. Alors, tac, salle de raid direct, boum,
Attention, guillotine. Oh my god, mais t'es sérieux, Godmichet? Ça augmente les dégâts, la guillotine. Bon, au moins... Putain. C'est déjà ça. Je déteste manipuler la guillotine. Bon. On se dit good luck. Allez, ça va être drôle, ça va être drôle. Celui-là. Sinhop. D'accord. Très gentil, ça. Lock up. Là seulement vous avez envie de pleurer parce que vous avez pas eu de HP up à nouveau. Et que vous avez eu un item de merde. Et que du coup vous vous sentez un peu dans le caca. Un petit peu seulement. Un petit peu. Je me sens pas forcément en état de réussir la run là. Hein. C'est... À un point de vie, je suis peu confiant quand même, hein. Pas confiant, hein. Ouais, 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 ouais. Allez, hop. J'ai un peu les boules, du coup, je reste un peu éloigné quand même. Hein. Ok, ça se passe bien, ça se passe bien. Le mass poison nous aide pas mal. La guillotine, c'est pas terrible, mais ça augmente nos dégâts, c'est déjà ça. Et on a le Humble Bundle qui nous fait juste masse item dans tous les sens, et ça c'est bien. Reste loin. Reste loin, caca! Non, caca! Putain! Oh, mais ça commence bien! Bon, au moins on récupère tout ça. Oh putain! Oh, ok, maintenant à chaque salle je vais me faire mal, mais je vais me soigner donc on s'en fout quoi, on peut y aller hein. All in quoi. Oula, super lust, sois gentil, sois mignonne, enfin mignonne c'est compliqué mais essaie de faire quelque chose de ta vie, merci. Good luck. Infested. Ok. On y est, on peut le faire, on est capable. Va te brûler dans les flammes si tu veux. Je vais pas t'en empêcher. On a deux bombes. Pour le moment on va les garder. Lock up, c'est très bien. Merci monsieur. À droite. Non, c'est pas à gauche. Ok. Alors le grand suspense hein. Ouais. Brother Bobby hein, je préfère ça que bah, certaines des merdes qu'on a eu la dernière fois hein. C'est pas mal. Alors juste vérifier un truc. Ok. Normalement ça devrait être ici. Ça va. Récupère 3 pièces, ça va. On va garder une bombe, on va pas prendre la dernière clé. Hein. Pas très important. Enfin, je pense que j'en ai pas vraiment d'utilité. On arrête, c'est des flammes méchantes. Par contre, comme j'ai dit, ce boss, c'est juste nickel comme premier boss parce que le Cube of Meat, c'est votre meilleur ami. Et du coup, vu qu'il n'y a pas de pacte avec Satan, ben, vous n'allez pas perdre de points de vie. Et que vous n'allez pas perdre de points de vie, vous voulez pas forcément des HP up. Voilà. Vous avez compris, je pense, ma logique là-dessus. Donc, je pense que c'est un des meilleurs boss qu'on peut avoir à l'étage 1, quoi. Avec ce perso, hein, je précise. Encore une fois. Et avec The Lost aussi, au passage. Hein. Enfin, tous les persos du tryhard, quoi.
Je suis pisse partout du Fort Boyard. C'est pas ça la chanson? Merde alors. Oh putain, ok, ça devrait le faire. Il n'est pas en carton et dans cette version donc c'est pas mal. Je fais attention quand il explose et quand il rush surtout. Il explose pas. Ok, on sait qu'on a Roid Rage et on sait qu'on a Krampus. Krampus. Quoi que tu me donnes, je serais heureux là actuellement, mais je pense que je serais mieux qu'un Lump. Enfin, je sais pas. Ok. Lump. Là on démarre bien vraiment. Une petite salle d'or avec un bon item et on sera dans l'espace peut-être. J'ai bien dit peut-être, hein, on déconne pas. Hein. On n'est pas là pour rigoler. Petite clé. Ok, 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 ok. Ce serait bien qu'on se trouve la salle secrète aussi. Histoire qu'on ouvre peut-être la salle du marchand et qu'on achète des choses simplement. Aïe! On a trouvé la salle dorée enfin. Sadonion, nice! J'ai pas l'impression que ça change grand chose, mais ça a changé un peu. On a perdu en dégâts, c'est ça? Gros changement! Non, on n'a pas perdu en dégâts, normalement. La salle de secret doit être ici, normalement. J'ai envie d'explorer un peu l'étage quand même. On va dire que je ne rate absolument rien. Ok, Justice, on va claquer de suite. Boum, 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 boum. Ok, 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 ok. Hop, tac. On ouvre le marchand. C'est officiel, on ouvre le marchand. Waouh. Quand on prend des dégâts, ça fait drop des pièces, ça, je crois. Hein, ça peut être pas mal. On va faire péter lui plus la machine. Voilà. Plein de thunes. La batterie. Pas vraiment. Pas vraiment envie. Pas vraiment. On est bien. Hein. Clairement, on est bien. On se casse pas la tête. On passe à l'étage suivant. Dommage qu'on ait plus de bombes. J'aurais bien voulu en acheter une. Mais s'il vend que des clés, bah voilà. Clé. Le petit boost du Lump, ça fait du bien. Prends le risque. Pas terrible, mais hop, un petit lock-up. Ça fait toujours plaisir. C'est solide ces machins, c'est un truc de fou, quoi. Une petite bombe. Ok, 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 boum. Ok. Pour le moment tout va bien. Oh putain. Vous inquiétez pas, la clé on va la récupérer. C'est juste que j'aime bien faire des salles à l'avance et retourner en arrière une fois que j'avance un peu voir ce qui se passait de l'autre côté. Là il se passe pas du tout grand chose.
Une batterie, on en chope tout plein des batteries. Alors, seule secrète, elle peut être là actuellement. On a qu'une bombe, du coup on va attendre de voir ce qu'on fait. On prend pas de suite ça. Ok, là on a la salle du boss. Voilà, pourquoi je vais pas prendre la pièce? C'est pour ce genre de conneries qu'on fait de temps en temps. Ok, on a la salle du marchand. Le marchand, il nous dit, je t'offre une échelle ou de la merde. On va prendre l'échelle, ce sera peut-être utile. Oui, ça va être utile. Là, on pourra pas récupérer les choses, je crois. Bah, non. Donc, salle dorée, logiquement, juste par là. Les larves, ouais, y en a une. Putain, les salles de l'enfer quoi. Nice hat. Alors, je sais pas vraiment ce que fait ce machin, mais bon, ça fait des trucs. Je crois que c'est déjà pas mal comme description. Ça fait des trucs et parfois ça fait des choses, voilà. C'est plus ou moins des trucs comme ça. Enfin des machins quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire. Alors, boum, tac. Yes. Ok. On va voir en marchant s'il y avait vraiment rien d'autre. Ça a l'air plutôt clean. On a envie de dire, ça a l'air plutôt clean. Ok, le boss. Oh my god. Vous savez que je l'aime pas du tout. Ok, on va essayer de le tuer maintenant. Parce que plus on attend maintenant, plus ça va être difficile. Ok, ça s'est bien passé. Pas de pacte. C'est un peu dommage. Bon, on continue hein. On a une run pas terrible, mais on peut s'en sortir. C'est ça le truc, on peut s'en sortir actuellement. Et bien dommage pour le pacte en tout cas. Je suis un petit peu déçu hein. Ok. Oh, Anderson. Je sais pas si ça fonctionne hein, mais je suppose que oui. J'espère. Je serais un peu en colère si je l'utilise et que ça fait ben rien, ce n'est révéler la carte et me faire du soin. Ah putain, j'ai en plein dedans. Bon, piggy bank, thank you. C'est pas tout le temps que Piggy Bank va être là pour nous aider donc. Faut pas qu'on compte trop là-dessus non plus. Ok, la pièce on la laisse. Putain de merde. On va claquer une bombe hein. Je vais perdre un point de vie supplémentaire. Big Beautiful Fly, c'est un peu risqué mais bon. Parfois, faut jouer avec le feu. Car le feu ça brûle et du coup, il n'y a aucun rapport mais c'est pas grave, ok? Vous avez compris. Hop. Attention! Whoopiness. Speed up, c'est cool, c'est cool. On se met bien gentiment mais... pas très rapide mais on se met bien gentiment comme je t'ai dit. Alors pour le moment j'ai resté loin, attendre que Big Beautiful Fly décide à lui péter à la gueule.
On peut passer dans le tour. Oh putain. Je pensais que le Big Beautiful Fly allait péter sur ma gueule, mais non. Du coup, il a même pas touché le boss. Putain, et du coup, baiser, pas de pacte. Oh, le cancer. Mais ça s'attrape en dansant, le cancer. Ah, chimichimiye, chimio. Cabillo. Je sais plus ce que je suis en train de dire. Bon, étage suivant. Étage suivant, étage suivant. Étage suivant, étage suivant, étage suivant, étage suivant. Petite clé, une petite clé. Ici nous avons pas grand chose. Non, pas worth it là. Je trouve que je suis déjà assez en PLS comme ça pour faire ce genre de truc maintenant les arènes là. Ils ont qu'un petit coffre gris, ouais, faut qu'ils trouvent. Surtout qu'on a, on a de la monnaie, on a des clés, on a un peu de tout, mais des items de merde aussi on en a et ça c'est pas bon quoi. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment, genre c'est les runs du cancer avec ce perso, on chope que de la merde. Non! Non! Ok. La big salle. Ok. Boum. De me chier dessus à chaque coup d'ennemi quoi. La balance. Ah bah là on a de la cadence de tir. Merci le balance d'avoir rééquilibré tout ça là. C'était de la belle merde tout ce qu'on avait. Là on va faire mal. Là les amis, on va déchiqueter le petit anus des méchants. Le petit anus. Zanus. Moi j'ai un Zanus et toi t'en as combien? 3. Putain ça fait beaucoup quand même. T'as le kill là-dedans, mon dieu. Reste loin la mouche, reste loin. Bon, il a déjà pété la gueule, donc ça va être compliqué qu'elle reste loin maintenant. Alors, lui, on peut déjà le prendre. Hein. On peut ne pas se gêner là-dessus. On peut tenter... What the fuck, l'ange. Si on veut. Mec, ces trucs-là, les flammes de merde, ça me fout un peu les boules. Normalement, tout devrait bien se passer. Pas en train de me dire que c'est la run où je vais aller à Mega Satan, mais on sait jamais hein, putain. Si on peut le faire, on y va hein. On tente le tout pour le tout les amis, là on est chaud hein. Là on est chaud patate à 200% quoi. Non là vraiment on fait des bons dégâts quoi, la balance nous a remis tellement bien dans la game, c'est un truc de fou quoi. Putain, les double grid à la suite, c'est pas cool ça. Enfin, je crois qu'on a été les deux à la suite. Ah oh, putain, mais j'ai déjà trop de thunes les gars, c'est une blague. Trop de thunes, trop de bombes, trop de pièces, voilà le résumé de la run quoi. Bon, bon build actuellement, bon build. Là, on peut pas cracher dessus, là c'est très bien. En plus, l'ange nous a donné un item de fou. Putain, un item de fou vraiment. Ça ne rigole pas, hein. Le rosary dans ce perso, putain c'est... Meilleur item du jeu, franchement, oh là là, là les ennemis sont en PLS quoi. Oh mon dieu. Nice. Oh putain de merde, j'ai eu tellement les boules. Alors là, vous voyez, c'est du piège à con, hein, on va pas y aller dedans, hein, parce que bah, on est quand même pas con à ce point. Bon, je dis pas qu'on est très malin, mais on n'est pas débile au point de se faire mal à ce point. Pas encore, hein. On n'est pas encore à ce point. Mazo.
Ok, on a ça là. On va y aller dedans. On va checker ce qu'elle a à nous offrir cette salle. Le 2. Je sais pas ce que fait le 2. J'ai pas envie de prendre le risque. On est trop bien là. J'ai pas envie de vraiment me foutre dans la merde. Donc. On va éviter les conneries. C'est pas une run à conneries. C'est une run de la victoire celle-là donc. Oh no. Alors je sais pas ce que ça fait. Couche culotte. Enfin, je crois que le dessin c'était ça. Hein. J'ai jamais eu je crois. Ou alors j'ai de mauvais souvenirs et ça c'est... Oh non c'est ça. Oh non. Oh maintenant je comprends pourquoi le oh no. Fuck that shit quoi. Oh putain, enfin je reste tellement réactif à cette merde. Ok ou gris. Vas-y pose une pêche là. Ah c'est dommage, on peut pas aller au marchand là. Si on fait le boss rush. J'ai envie de faire le boss rush hein, vous vous rendez compte à quel point je suis fou là. Allez hop. Comme ça. Oh mon dieu. On reste réactif, on reste réactif. On s'endort pas. On s'endort pas. Oh putain. Vous rendez compte que je dois faire attention à 1000 trucs en même temps là. La pola clairement je pense. Oh mais putain pour faire ça. Je dois me prendre un de dégâts. Non mais sérieusement les gars. Je dois me valider un damage dans la gueule pour... Oh ça me met la haine. Oh ça me met la haine, ça me met pas bien là, vraiment. En plus je viens de prendre ça là, ou même ce contact. Plutôt là-dessus. Bon. Claquer de sun direct. Évite de tuer l'ange si possible. Ok, on reste focus. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu, la bombe elle m'a touché, elle m'a poussé. J'ai pas eu le temps de voir ce qui s'est passé mais je crois qu'elle m'a explosé dans le cul et j'ai pris aucun dégât, genre trop de chance quoi. Chatman. Putain. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, on est dans la merde, on est dans la merde. Ah je déteste, je dois faire trop attention à ce qui... ce que j'ai dans les fesses aussi. Oh putain, oh putain, oh putain. Non. Fait chier quoi. Ah. Ah mais c'est trop bâtard que je devais me prendre un dégât pour forcément aller dans le mode enfin dans le boss rush quoi. Je veux dire j'ai déjà fait un putain de bon temps avec le perso là, c'était déjà assez difficile comme ça. Et là boum punition anale, merci quoi. Oh, je suis tellement triste. Putain. Ah, je suis vraiment dégoûté là. Je suis salé quoi. Quoi ? Nice. Très bon item. Très bon item. De l'autre côté ? Au moins récupère deux bombes, faire péter une là. Des petites mouches. Bon, on va aller au boss, on va aller au boss. D'abord casse ça parce que les pièces c'est le bien et le caca il cache souvent des pièces. Ah, en gros c'est les runs de l'Epic Fetus avec ce perso quoi. J'ai plus les boules de jouer ce perso que The Lost, hein, c'est pas une blague.
Oh my god, tellement pas de chance. Putain, par contre c'est trop trop bien là, accuracy comme first item, putain, faut pas qu'on merde. Ah non, faut vraiment pas qu'on merde, c'est trop trop bien. Ok. Trop trop bien accuracy sur ce perso là, c'est la fête du slipe quoi. On n'a pas de clé hein, si on n'en loot pas ça va être un peu le cancer. On a une clé. Deuxième clé. Ah cœur si c'est un des meilleurs items aussi avec ce perso quoi. Alors on peut mimic judgment actuellement, c'est pas fou. Mais on sait jamais. Oh putain, j'avais oublié qu'ils faisaient ça. Ah putain. Ok, Rider Rage on prend, boum. Non, c'est complètement inutile de chez inutile, inutile. On peut le déplacer. J'espère qu'il me pète à la gueule en fait. Alors là. Ok, on a eu pas mal de pièces, on est content. Attention. Ok. Ça commence super bien là, on a pas à râler hein. Vraiment je peux pas pleurer là dessus là, on a un putain de départ de cochon hein. De la cochonaille je te dis, de la cochonaille. Allez hop, on y va. Putain, il est massif celui-là. Ok, la clé on la récupérera, vous inquiétez pas. Téléport 2.0. Alors je vois pas la différence entre lui et l'autre, du coup ben on s'en bat un peu les couilles quoi. Et les cartes mimiques par contre, en gros, j'en ai pas trop besoin mais je sais pas. J'ai envie de le tester encore un peu le téléport 2.0 parce que ben je pense qu'il doit y avoir quand même des différences avec l'autre parce que ça serait un peu débile à souhait. J'ai pas une peur de prendre le risque de prendre des dégâts là-dessus, du coup là on évite simplement. On TP. C'est peut-être forcément une salle que j'ai pas encore visitée. Peut-être c'est ça la règle. En tout cas, elle m'a amené à deux salles que je connaissais pas encore. J'ai pas eu le temps de lire le texte de l'item quand je l'ai ramassé, du coup. Je sais pas trop si c'est ça ou pas. Oh, j'ai même pas pensé à... Y'a rien dedans. Ouais. Ok, nice.
Pigeon Boy, on prend, on va ouvrir le marchand du coup. Bim 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 bim. Le petit bocal il va pas m'être très utile, monsieur le marchand. Alors, on va aller faire un truc. Tac, on va faire une carte mimique. Voilà. Et on va lui donner notre thune. Ça nous fait quand même des mouches, hein. Ça on va pas refuser. Le HP up c'était pas très utile. Je crois que Rotten Meat c'est un des objets qu'on peut choper qu'une seule fois, si je dis pas de bêtises. Alors il y a la clé à récupérer ici, faut pas oublier. Hop. Et peut-être la salle secrète juste là. 3 pièces, ça va. Ah, étage suivant. On regardait la carte mimique, je sais pas ce que fait le... Bah d'ailleurs on va pouvoir lire. Ah il téléporte, ok. Bah téléporte toi tout seul. Je sais pas ce qu'il fait. Oh putain de folle. Oh là là, j'ai failli marcher en plein dedans quoi. J'y allais mais tête baissée genre. Mon dieu. Oula, si on mouche. Je m'inquiète un peu dans ce genre de salle moi. Lockdown. Bon, c'est pas trop grave. Ah putain la mouche. Ah là là là. Les pièces. Pourquoi ça m'a pas validé? Ah, je l'ai prise pendant le fight encore. Ok, j'en ai pas le souvenir, mais ok, si tu veux bien, juste voilà. Hop. Oh non. Judgment. Ok, on va lui donner quelques pièces déjà. Ouais mais bon. On va aller au marchand, on a pile 15 pièces hein. C'était mon but d'avoir 15 pièces pour le marchand en tout cas. Fuck. Sors de là. Hop. La... Oula, nice. La pièce on va la laisser. Bob Sportenhead, non merci, mais vraiment genre fois 1000 quoi. Alors ça, on connaît pas. J'espère que ça va pas me niquer mon build. High shot. Devil high. Alors, on a un œil supplémentaire pour Eric. Fait rien. D'accord, c'est cool, c'est ça. Oula, 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 alors là c'est vraiment chelou par contre. What the fuck mec. Ah c'était bizarre. Je vais d'aller checker la salle à gauche. Doré. Black Lotus blanc. Purity. All stats. Boost. Okay, c'est très bien. Speed down. Judgment. J'aime un peu beaucoup les boules parce que justement j'avais des petites mouches qui me suivaient pour m'aider. J'ai pas l'impression qu'elles vont être trop m'aider. Qu'elles veulent juste m'exploser la gueule. Oh oui, passe là. Parfait. Ok, on va laisser quelques pièces derrière. Oh, regarde le marchand.
Alors la petite pièce qu'on peut faire tourner, c'est juste complètement pété. Et ça qui donne des petits bagues, c'est pas mal aussi. Hop. Et on en a un. Joker. Mimique du Joker. Ok, allons voir ce que le Joker nous propose. Un fight contre l'ange. Un fight en contre l'ange. Ok. C'est la première partie. Hein. Tac, 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 tac. Judgment. Tac, tac, tac. Ok, on va déjà faire le boss. Vraiment trop bizarre ce petit œil qu'on lance de temps en temps, c'est juste chelou quoi. Ah, j'aimerais bien prendre ce machin aussi, hein. Franchement. Quand on est dans la merde, ça peut nous remettre un point de vie, mais la carte mimique, ça peut tellement s'y être bien là, à force. Quoique j'ai plus beaucoup de thunes quoi. Bon, ok, on va tenter ça. Ok, là c'est un peu fumé quand même de pouvoir faire ça. On va voir si lui nous donne des trucs bien. Oh, fais pas ta pute. Ah là. C'est tout ce que j'ai à dire. Le gros prout des familles. Bon, regardez le Joker, je pense. C'est pas forcément très malin, je pense, mais je me dis que si j'ai des bons pactes ou autre, ça pourrait aider. Ça pourrait, hein. Oh là là, c'est trop bizarre ces yeux là. J'aurais pas dû prendre la pièce. J'aurais pas dû. Parce que j'ai les boules que, voilà, qu'il y en a qui réagissent trop vite et qui me mettent un gros coup dans les dents. Je veux pas claquer tout de suite Judgment, Judgment Joker. Oh putain. Alors résistance, ça va être vachement cool hein, aussi. Guiche. Guiche c'est bien. Les deux items qu'il peut nous lâcher, ça sera vachement cool. On a le little guichet avec nous. Krampus limite je suis content en fait parce que vu que j'ai pas eu de point de vie à cet étage. Aïe fils de balle l'enculé. Oh j'ai trop merdé. Putain j'en ai marre. J'en ai marre. Oh, je vais voir à combien de temps de vidéo je suis. Ah, je suis désolé les amis, on va pas pouvoir en redémarrer une autre, c'est ça le pire. Non mais là on était vraiment pas trop mal quoi, purée. Oh là 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 là, ça me fait chier. Tant pis, on se retrouvera la prochaine fois pour une nouvelle run quoi. Oh putain, j'ai le cancer. Allez, sur ce je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao ciao les amis.